Bonjour à tous! Alors, est-ce que vous m'entendez bien cette fois? Je sais pas à quel moment ça a coupé ou si ça a marché depuis le début. Et bah, bonjour à tout le monde en tout cas. Bonjour à Nicolas. On va refaire le début. On avait tout fait bien avec plein d'amour, la petite intro et tout. Et bah, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir attendu. Je vous envoie tous des bisous. Est-ce que Nicolas, tu nous referais ta petite intro merveilleuse? Eh bien, avec plaisir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Nicolas, je suis réalisateur et directeur artistique, mais je suis d'abord cadreur et monteur. J'ai été freelance pendant 3 ans et demi sur Paris et maintenant j'ai créé mon agence de création et de production en vidéo depuis 1 an et demi à peu près. Ok, et eh ben écoute, dis-moi, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Je sais que c'est la semaine de Max, je sais ça. Que tu as regardé eh ben, quelques aujourd'hui, vidéos. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau un peu dans Première. Alors attendez, j'essaie de trouver juste, je retrouve juste le live histoire de, hop là, voir les questions s'il y en a. Voilà. Ah, c'est bon, on me dit que le son est revenu, qu'on nous entend. Cool. On est parti. Bon. On va parler un peu de tout ce qui est nouveauté sur Adobe Vidéo, que ce soit dans Premiere mais aussi dans After Effects. On va parler un peu organisation de projet parce que j'ai eu un projet récemment avec TikTok où on a dû créer 40 vidéos, 40 contenus, donc dans 3 formats différents, vertical, horizontal, carré. Donc du coup, ça fait pas 40 vidéos, ça en fait beaucoup plus. Okay. Et on va voir un petit peu quelques petits trucs et astuces dans After Effects pour par exemple masquer des fils, etc. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et bah, écoute, carrément. Oui, parce que en fait, pour ceux qui te connaissent pas, il y a peut-être des sessions où tu es déjà venu présenter plus ton travail. Et, notamment la première que j'avais faite où. Qui était juste après le concours Make the Cut. Sur la deuxième, on a vu un petit peu plus Premiere Pro et les bases, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais aller un petit peu plus loin dans ce qu'on peut faire dans Premiere, mais aussi pourquoi Premiere ne marche pas juste tout seul. Il marche aussi avec After, il marche avec Photoshop, il marche avec Audition, Media Encoder, etc. Et c'est vrai que ça reste... chaque année, mais maintenant chaque mois, en fait, apporte son lot de puissance supplémentaire, quoi. Ouais, carrément. Je te laisse regarder ton écran. Voilà, on dive in, là, on plonge. Alors, on va commencer donc du coup avec donc ce projet TikTok dont je te parlais, où on a été mandaté pour créer 40 contenus, 40 vidéos. Pour TikTok, c'était alors ce sont des vidéos courtes, des vidéos de 40 secondes, etc., de 20 secondes grand max, mais ça demande quand même beaucoup d'organisation. Ah, 40 vidéos de 20 secondes à produire en un mois, c'est quand même voilà. On a eu un mois pour les faire, mais on y est arrivé. On est sur la fin, c'est pas tout à fait fini encore. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment de l'exclure. Faut pas trop le montrer d'ailleurs. On ne dira rien, t'inquiète. Voilà. Hop là. Hop.
Après, j'ai les notifications Behance qui arrivent. Sur une petite particularité sur ce projet-là, c'est que j'étais pas le seul créateur à le faire. Déjà, c'est une amie à moi en fait qui avait remporté un appel d'offres avec TikTok et qui nous l'a proposé en production, qui s'appelle Marie-Laure et on lui fait des bisous. Mais on a travaillé aussi avec deux autres créateurs, donc Audizor, c'est Paul Guillotel qui alors, Aude, qui est une collègue à moi depuis le BTS, et Paul, qui est un créateur de contenu que vous pouvez retrouver sur TikTok, Instagram, etc., et qui aujourd'hui travaille avec Zaki. Je sais. Donc, du coup, chacun a pris en fait en charge une partie des vidéos, et la première chose à faire quand on est en post-prod, et quand on est en prod tout court, c'est d'organiser tout ça. C'est-à-dire qu'on a trié déjà les rushs par les personnes qui ont fait chaque vidéo. Donc, par exemple, Aude, elle avait les vidéos 2, 32, 43, 81, 91. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a proposé 99 idées à TikTok. Ils en ont Ok. sélectionné 40. Donc ça, c'est les numéros des idées qui ont été sélectionnées. Donc, on a laissé D'accord. les. Voilà. Moi, par exemple, j'en avais un petit peu plus. Paul en avait quelques-unes aussi. Donc, 34, 40, 41, etc. Et donc, là-dedans, on n'a que les rushs. D'accord. Un truc qui était important pour nous et qui a été compliqué d'ailleurs, enfin compliqué plus ou moins, un truc qu'il a fallu faire très attention surtout sur le tournage, c'est que j'étais le seul à tourner au GH5, les trois autres créateurs tournaient avec des Sony. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on tourne avec un Sony et que vous formatez une carte, etc., Sony revient à sa nomination de fichier initiale, c'est-à-dire que Voilà, C01, C02, C03, C04. est-ce qu'il y a un moyen de changer ça? Parce que je tourne sur Sony et j'ai exactement ce problème-là. Et du coup, en fait, le problème Alors, que vous trouvez pour les gens dans le chat, c'est je que suis. c'est pas chronologique, en fait. Ouais, voilà. Et je vais être honnête, j'en ai aucune idée. J'ai pas ce problème-là avec le GH5. Moi, je tourne sur Ok. GH5, en fait, Panasonic. Par contre, je peux vous montrer un petit truc dans Bridge. Alors, Bah quand ouais, vous allez carrément. avoir. Donc, on va ouvrir Bridge de suite. Allez. Oui, bah oui, pourquoi pas. Oui, Oui, pourquoi en gros, il y a pas. le J'ai fait une rush, mise à jour hier, donc voilà. y a Hop. le rush 01, en fait, c'est votre 11e vidéo de la journée. Et du coup, ça n'a aucun sens. Voilà, et en fait, on s'est Faire un montage, retrouvé c'est dur. avec je ne sais pas combien de C01, C02, etc. Et Ok. le problème, c'est que quand on les met tous dans le projet et qu'on se transfère le projet d'une personne à une autre, on risque de D'avoir connecter les le mêmes noms aussi, C01 de ouais. la vidéo 34 au C01 de la vidéo 60. J'ai Ouais. d'ailleurs tous les rushs de la vidéo 60 qui se sont connectés un peu partout à un moment. Et vraiment, elle m'a énervé cette vidéo-là. Mais bon, donc là par exemple, on est dans le dossier de projet. Donc vous voyez un peu que mon arborescence de dossier est quand même assez similaire à celle que j'ai dans Première, de Ouais. façon à pouvoir rapidement retrouver les éléments, que ce soit dans Première ou dans mon Finder. On va aller dans Rush, on va prendre, je sais pas, une de Aude par exemple. Et là, par exemple, Aude, elle a donc C08. Vous voyez que j'ai un petit 43 devant, qui correspond au numéro de la vidéo Qu'elle a proposé ou qu'elle a qu'elle a tourné. réalisé. Ouais, wow, j'ai dit mal, pardon. Et en fait, vous pouvez sélectionner tous vos éléments, clic droit, changement de nom global. Là, Ok. c'est parti à côté. Et en fait, ce truc-là est génial parce qu'en fait, ça vous permet de renommer vos fichiers en série. Ok. Vous avez beaucoup d'options pour pouvoir le faire. Vous pouvez donc là, par exemple, j'ai un truc qui s'appelle renommage série, où en fait je conserve le nom de fichier et je rajoute juste un texte avant. Ok. Je peux rajouter des informations derrière, donc je peux rajouter du texte. Supposons, je sais pas, démo 1. Je vais re-rajouter encore un texte et on va faire hop, tirer. Et là, par exemple, je peux mettre un numéro de séquence qui commence par 1. Et donc, du coup, tous les fichiers vont être renommés dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu vois ensuite, dans prévisualisation, le nom du fichier tel qu'il est actuellement Ok. et le nom du fichier tel qu'il sera une fois qu'on aura renommé avec cette action-là. Ok, c'est chouette. En fait, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Lightroom, mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire dans Bridge. Ah bah, Donc, tu vois, c'est moi, je ne chouette. savais pas qu'on pouvait le faire dans Ah bah, dans Lightroom. Lightroom, ça te change la vie pour renommer toutes tes photos d'un coup. Bah, du coup, voilà, Bridge te permet de faire ça. Je trouve que c'est assez puissant dans le sens où ça le fait. On peut faire vraiment toute une série très automatiquement.
Et puis voilà, hein, et c'est comme ça en fait qu'on a renommé tous nos rushs de façon à ce qu'on ait toujours. Alors, les miens, ce n'était pas nécessaire, mais par exemple, ceux de Aude, voilà, c'est 02 16, c'est 0016, et Ouais. ainsi de suite. ML, par exemple, 26 16 01, et ainsi de suite. Voilà. D'accord, oui, que ça soit Donc, cohérent, petite quoi. astuce dans Bridge pour organiser cette première partie-là. Avant de commencer quoi que ce soit. Sinon, après, c'est galère. Voilà. Alors on est en stade de mastering, donc on n'a plus trop de séquences dans le montage. Mais par exemple, je peux vous montrer comment j'organise toutes mes séquences en mastering. Étant donné qu'on est sur des projets enfin, des vidéos qui doivent être en horizontal, vertical et carré, j'ai fait trois dossiers, horizontal, carré et vertical. Et dedans, j'ai toutes mes vidéos, toutes en horizontal. Là, on n'a pas de problème. Et pareil pour carré, pareil pour vertical. Toutes les vidéos sont pareilles ensuite, hein, le seul truc que j'ai à faire, c'est de recadrer, remettre en place, etc. Mais c'est ce que je testais là tout à l'heure, et je vais vous montrer vite fait, cette nouvelle fonction qu'il y a dans Première, que Franck a montré tout à l'heure ce matin, mais qui est vraiment géniale, c'est le recadrage automatique d'une séquence. Donc là, par exemple, j'ai cette séquence qu'on a faite avec ma pote Vanille, qui est modèle. Donc en fait, c'était des petites astuces photo. Voilà. Hop là. Et on a fait trois différentes astuces à faire pour justement créer des photos un peu originales, etc. Et du coup, quand tu shootes comme ça, quand tu sais que le client, il veut un carré, un horizontal, un vertical, ça arrive de plus en plus maintenant sur des prods, vraiment pour les réseaux sociaux, la pub et tout. J'imagine que du coup, tu shootes à Horizontal. l'horizontale. Et du Et coup, je est-ce que tu rajoute penses un tes truc. cadrages avant? Est-ce que du Ouais. coup, comment Sur tu le prépares ça? GH5, j'ai un truc qui est assez cool. C'est des guidelines. C'est des repères, en fait. Et j'ai un repère carré. Ok. Donc, ça me permet de cadrer déjà au moins en carré. Et si c'est dans le carré, ça rentrera facilement dans le vertical. Il y a des Ok. petites exceptions comme cette vidéo-là où on était tous les deux à l'écran avec Marie-Laure Ouais. et mine de rien en vertical, c'est un peu compliqué Ouais. parce que bon, on pouvait pas se coller non plus, voilà, et on pouvait pas faire trop trop large non plus parce que sinon l'horizontale allait être un peu moche, sachant que le client voulait qu'on sorte en 4K aussi. Mais bon, donc du coup cette séquence-là, on va la transformer en carré, donc on va faire clic droit sur la séquence directement et recadrer automatiquement la séquence. Donc à partir de là, on peut donc renommer la séquence qui va être créée. Donc on va l'appeler carré et on va choisir donc du coup le ratio. Donc carré 1.1, vertical 4.5 et vertical 9.16. Alors ces deux formats sont effectivement verticales, mais pas les mêmes. Le premier format, c'est un format qui correspond au post qu'on peut faire sur Instagram. Le deuxième, plus pour les stories. Ok. Et ensuite, personnaliser. Et dans ce cas-là, on fait un ratio comme on veut. Donc là, on va faire carré, suivi de cible. On va laisser par défaut, c'est bien. Et on va créer. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la rapidité avec laquelle ça se fait, en fait. C'est-à-dire que là, enfin, je viens de le lancer, il est déjà fait, quoi. Alors voilà. En fait, on est d'accord que c'est pas juste un recadrage, ça croppe le truc, c'est que ça suit Le le sujet. sujet qui est Ouais. important dans l'image. C'est là où Donc c'est là, par exemple, le complètement sujet, magique. c'était vraiment vanille. Ouais. Moi, c'était voilà. Moi, je suis dans le coin, mais c'est bien de me voir, mais c'est pas moi qui est important. C'est vraiment vanille et la bombe à fumer. Hop là. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est parfait. Le deuxième, pareil. Ce qu'on veut voir, c'est vanille et les paillettes dans la main. Pareil, on est bon. La photo, c'est parfait. Et le dernier avec le miroir. Ah ben on est tout bon. C'est assez Alors magique. voilà, Il y a il y juste a celui juste derrière, cette ouais. fin où va falloir que je recadre un peu mes photos, que je revienne les mettre comme il faut, et les textes qu'il va falloir réadapter. Je pense que ça, c'est peut-être le point d'évolution qu'on peut avoir avec cette option-là, enfin cette fonction de première, c'est les textes, parce que par rapport à ma version horizontale, les textes sont devenus quand même très petits.
Ok, mais par contre, ça a aussi recadré les... Ça a Alors, changé les la taille textes des ont textes. été adaptés, en fait. Ils ont été Ok. réduits par rapport à l'horizontale. Parce que justement, comme c'est du carré, etc., au moins ça rentre dedans, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ils sont quand même beaucoup plus petits. Alors que des formats qui sont carrés ou verticales, c'est des formats qu'on va regarder essentiellement sur téléphone. Donc c'est Ouais. justement là que les textes doivent être en fait plus gros. Oui, d'accord. Voilà, donc ça c'est une petite astuce qu'on a dans Première pour pouvoir faire ces recadrages assez efficacement. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il a fait sur. Voilà. Bon, là, on peut pas faire des miracles partout non plus. Bah, en fait, c'est assez fou, c'est sur les plans filmés, quoi. Ouais, C'est vraiment c'est magique. sur les plans, c'est vrai que c'est quand même assez efficace. C'est vrai que là, ensuite, on est sur une vidéo où il n'y a pas énormément de mouvement. Alors, attends, je vais essayer d'en trouver une autre. Ah ben voilà, on va tester celle-là. Ça, c'était un petit tuto make-up avec un petit hack. Allez, hop, on refait la même chose, carré. Et ça, du coup, c'est une nouveauté de cette année, hein, c'est ça? C'est de cette année, effectivement. Il y a deux, trois autres nouveautés. Et en fait, c'est des nouveautés qui viennent progressivement. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai parlé justement avec Franck ce matin parce que j'étais surpris de voir que j'ai pas eu de mise à jour. J'ai une mise à jour Photoshop 2021, mais Ouais. pas Première, pas After, en fait. Parce D'accord. qu'en fait, maintenant, Première et After, visiblement, se mettent à jour au fur et à Au mesure de fur et à l'année. mesure. Ouais. Alors, voyons ce que ça donne notre format carré sur cette vidéo-là. Bah, très bien. Non, mais c'est incroyable. Il ne faut pas que je montre ça à mes clients, du coup, ils vont me dire. Ah, mais c'était trop Ouais, facile. voilà. Moi, j'essaie de dire avec les clients, oui, mais on fait du recadrage En C'est fait, ce qui est fou, génial avec c'est ça, c'est vraiment chouette. que le recadrage est génial sur 90% du temps et on va vraiment venir faire du détail, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un bout d'œil sur ce coin-là qui n'est pas très heureux, donc on va pouvoir juste décaler un petit peu. Je peux ou pas? Pourquoi ne veux-tu pas? Ah, décalage de recadrage, pardon. Je me suis trompé de. Et donc, du coup, là, voilà, je peux quand même venir recadrer si je veux. Là, pareil, on a un bout d'œil sur la droite. C'est pas super, super. Voilà. Ok, et du coup c'est dans les effets. Ok, trop bien. Et donc, du coup, effectivement, on peut le gérer dans le panneau options d'effet. Et on peut, par exemple, rejouer avec l'échelle, la rotation si on veut, etc. C'est magique, hein. Qui est quand même assez C'est cool. vraiment stylé. Et comme Franck le montrait ce matin, régler la position, en fait, ça permet de justement réanimer voilà, le recadrage comme on le voulait. Voilà. Deuxième petite nouveauté non, première petite nouveauté, par exemple, pardon, dans Premiere Pro en 2020. Donc là, sur 40 vidéos Alors, fois sur 40 trois vidéos, là, on l'a pas. cadrages Alors, je ne l'ai pas fait différents, parce c'est qu'effectivement, fou. j'y ai pas forcément pensé. Mais ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Bah ouais, c'est clair. En fait, là, c'est hyper intéressant de voir que c'est une vraie application du monde du travail où Ouais. Et c'est tu gagnes vrai qu'en des heures fait, de du vie, quoi. coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, étant donné que dans 90% du temps, le recadrage est quand même très bon, on peut se concentrer vraiment sur des détails. On peut se concentrer sur vraiment, genre, là, je recadre, mais parce que justement, c'est ce que je disais, là, je le recadre parce qu'en fait, j'ai un bout d'œil qui n'est pas joli, mais pas parce que justement, le plan n'est pas du tout recadré ou pas dans le bon sens. Enfin, voilà. Ouais, carrément. Et puis du coup, tu peux te focaliser sur les trucs chouettes au lieu de saigner des yeux au Voilà. bout de la 27e, quoi. Bah, c'est ce que Adobe fait de plus en plus, en fait. Hein, c'est vraiment, on se concentre de plus en plus sur le process artistique que le process technique. Parce que justement, la technique évolue quand même énormément vers la facilité, entre guillemets. Maintenant, il faut toujours savoir comment faire les choses, hein, bien sûr, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut passer plus de temps à faire des décisions artistiques plutôt que galérer sur un point technique qui va vraiment nous faire chier. Eh ben, écoute, trop bien, Pardon. merci. Alors, je vais vous montrer un deuxième petit truc.
avec un autre projet. L'autre jour, j'étais en train de faire un mood vidéo. Si vous n'êtes pas familier avec l'exercice, un mood, c'est comme un mood board en fait. On va récupérer des films, des scènes, des séquences, des trucs comme ça, etc. Un peu partout sur le web ou sur Shutterstock ou des images de stock aussi. Et on va les assembler ensemble pour donner une idée plus ou moins clair à notre client de ce à quoi peut ressembler le film, de ce qu'on peut faire en tout cas pour son projet. Et un truc qui est une perte de temps incroyable dans le mood, c'est de dérusher. Parce que quand là par exemple, on va sortir cette vidéo-là par exemple. Voilà. Donc là, une vidéo d'un hôtel, il y a plein de plans. Et il faut que je passe sur toute la vidéo, que je vienne trouver le bon point de raccord, où est-ce qu'il y a un cut ou pas. À l'image près, hop, voilà. Il est où? On y arrive. Voilà, il est là. Hop, hop, et on coupe. Et ça pour tous les plans de la vidéo, pour pouvoir ensuite choisir ceux qui nous intéressent. Ok. Ah, Autant je vous sais ce dire que tu vas que dire rien là. que le temps qu'on y a passé juste sur ce cut-là, Ouais. il faut une bonne journée, quoi. Première introduit une nouvelle fonction avec leur recadrage, c'est la détection de scènes automatiques. C'est quelque chose qui existait déjà dans Resolve, DaVinci Resolve, si vous êtes déjà familier avec ce logiciel-là, mais qui en fait gagner énormément de temps. Donc comment ça marche? On va sélectionner notre élément, on va faire un clic droit et il est où? Détection de montage de scène, juste en dessous de vitesse et Ok. durée. Et en fait, on peut choisir plusieurs options. Donc déjà, première va analyser tout le rush, toute la séquence, en fait, toute la vidéo, et il va détecter là où il y a un raccord, là où il y a un point de montage, en fait. Et à partir de là, on peut choisir plusieurs choses. On peut appliquer une coupure à chaque point, c'est-à-dire qu'il va couper le rush à chaque point de montage. Donc, il va créer des éléments différents, créer un chutier de sous-éléments à partir de chaque coupe détectée. Ça veut dire que dans le panneau de projet, on va avoir un nouveau dossier dans lequel on va avoir notre élément, mais avec des points in et out différents pour chaque partie du plan, en fait. Et enfin, créer un marqueur de coupure. Donc, en fait, ça va juste créer des marques sur l'élément et pas forcément dans la séquence. Ok. D'un point de vue pratique, autant faire les coupures à chaque point de coupure. Voilà. Analyser. Et le temps qu'il analyse, en fait, on a le temps éventuellement d'aller se refaire un café parce Ah que. oui, Pierre dit, je sais ce qui arrive, j'ai trop hâte de l'essayer. Carrément. Je Ah, sens mais que ça tu as va être bien raison, magique. Pierre. C'est vraiment bien. Ce mood, je l'ai monté en 2 heures, alors que d'habitude, et enfin, je vais te montrer, mais. Dès qu'il a fini, voilà. Alors donc là, du coup, vous voyez toutes les coupes qui ont été créées sur l'élément. C'est vraiment magique, hein. Et en fait, elles correspondent impeccablement à tous les points de montage sur la vidéo. C'est fou. En fait, c'est fou. On se Ah, dit que il ça en a n'existait raté un pas ici. avant, quoi. C'est Ah, marrant. mais parce que. Alors Ah, voilà, c'est là, il en a un. raté un, mais parce que c'est un fondu, en fait. C'est un fondu, ouais. Et donc tu vois tous les éléments vidéo que j'ai là, j'en ai combien là? Hop, moins ça, j'en ai 18. Ok. Donc de faire ton dérush sur 18 vidéos entre 3 et 10 minutes, ça fait très long, Couper, quoi. Donc c'est ouais, vrai c'est que ce clair. truc-là m'a fait gagner énormément de temps. Et comme je te dis, en fait, à partir du moment où j'ai mis les rushs dedans et j'ai commencé à monter, le mood, je l'ai monté en 2 heures. Ce qui Ok. est rien pour un montage. Ouais, non, mais c'est vraiment trop bien. Voilà, Et voilà. j'aime Donc. bien que tu nous montres des cas pratiques en fait de la vraie vie. Tu Alors, vois? Donc ça, c'est c'est-à-dire, hyper chouette. Bah, je trouve ça chouette que tu nous montres des exemples où toi, ça te sert vraiment Ben là, pareil. sur des vrais Ah, projets, oui, quoi. d'accord, c'est Ouais. pas une demande, c'est genre. Comment. Oui, non, mais tu vois, des fois, on se dit, ouais, je sais pas à quoi ça va servir ce truc-là. Et en fait, Ouais. du coup, là, on comprend tout de suite. Ben, du coup, je ne sais pas à quoi ça va servir ce truc-là. Ça peut s'appliquer sur plein d'autres choses. Je vais maintenant vous montrer. Alors, on va vous montrer juste un petit morceau une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est un petit pack shot que j'ai fait avec ma montre que je porte ici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo?
Ok, on vous envoie la vidéo. Ok, donc du coup, cette petite vidéo, je l'avais faite parce que j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de me faire plaisir, et je me suis dit, j'ai jamais fait de vidéo avec des montres, j'ai envie de faire un packshot avec une montre, etc. Donc voilà. Donc j'ai acheté des petits supports en fait de montres et j'ai attaché ma montre sur. Alors j'ai la photo quelque part qui est géniale hein, d'ailleurs. Parce que vous allez voir vraiment l'install de Schlag. Là. Hop là. Donc, c'est ma planche à repasser avec un miroir. Ah bah oui, normal. Voilà. J'ai mon support de fond qui tient en fait une planche enfin une plaque de métal. Et j'ai aussi accroché du coup ma montre à partir avec des fils en fait. Autour de mon setup et avec deux lights et je me suis amusé. J'ai fait des plans assez fixes, mine de rien, mais ça m'a permis de faire quand même des trucs assez sympas. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que du coup, vous vous imaginez bien, il y a des fils, il y a la petite structure pour tenir le tout ça, mais on l'a pas vu. Donc, va falloir l'enlever. Le premier tour de passe-passe dans ce genre de truc-là, c'est déjà de faire un montage qui est quand même assez dynamique. Donc, on n'a pas suffisamment de temps pour se concentrer sur est-ce qu'il y a un fil, est-ce qu'il y a un truc derrière, etc. Et aussi, la lumière bouge en permanence autour de la montre, ce qui donne beaucoup plus de rythme aussi, mais qui me permet, moi, de jouer un peu les magiciens en fait. C'est vraiment Ouais, les astuces carrément. de magicien, c'est mettre ton œil ailleurs que sur le défaut. Mais surtout, je suis allé dans After Effects pour Du faire. coup, ta lumière bouge, c'est juste toi avec ton truc de LED qui fait Ouais, ça derrière. c'est Ok. vraiment en mode sabre laser. Je fais bouger la lumière derrière et Qui le donne rush beaucoup plus de rythme original aussi. ici, mais Voilà, qui me là. permet moi Et tu vois, en fait, c'est moi qui arrive, de qui passe jouer la un peu les lumière derrière magiciens toi. en fait. C'est Ah, vraiment mais les t'as astuces vraiment de trop bien, magicien, c'est j'aime trop mettre les trucs, mais ton il est œil vraiment plus ailleurs très que cool. C'est vrai sur que le défaut. Je me suis mis Mais 3 heures, surtout, je suis allé dans et je me suis After vraiment Effects. éclaté à le faire pour Du faire. coup, ta lumière bouge, c'est Donc si juste jamais toi il y a avec des ton gens que truc de j'ai LED déjà qui fait ça essayé, derrière. c'est Ok. vraiment en De mode faire sabre des laser. packshots, des trucs Je comme fais ça. bouger la lumière derrière et Confinement, c'est pas qui un donne problème, vraiment hein, ce pour goût ça à original l'aide, ils ici, m'envoient mais une qui planche à repasser, permet c'est moi bon. de Et tu vois, en en fait, fait c'est c'est à moi moi qui qui arrive arrive de face à jouer la un peu les lumière. magiciens en fait. Et initialement, Ah, effectivement, trop bien. ce plan-là avait beaucoup plus de mouvement. Mais une fois que j'avais fait tous mes effets, je trouvais que c'était assez inutile. Donc, on est là donc dans After Effects. Et After Effects m'a permis de masquer pas mal de choses. Déjà, alors je vais essayer de trouver un Alors, il plan. y a Hop, Pierre qui voilà. dit meilleur behind the scenes du monde et Laurence qui dit enfin un usage intéressant d'une planche à repasser. Carrément. Ah, on a un double son. Pardon. Ouais, c'est revenu. Ouh Non, là c'est là. juste moi qui ris un peu fort. Aujourd'hui, c'est la folie de la régie. Alors, donc on va prendre Alexandre. ce plan-là, par exemple. On a ici donc le plan original, sans effet. Donc vous Ok. voyez qu'on a un fil en bas à droite, à gauche. Il y a un fil en bas à droite qu'on ne voit pas encore, mais avec le reflet de la lumière, il y en a même deux. Voilà, j'avais même oublié qu'il y en avait deux. Et en haut, on a cette petite accroche là, qui est en fait l'accroche du socle, Ouais. qui permet d'accrocher le reste de la montre avec un fil, mais de garder en fait la montre, Ah, ronde, ok, d'avoir, qu'elle ouais, garde une voilà, d'avoir une forme. bonne forme pour la montre. Parce que si je tire avec des fils, la montre, elle allait être complètement tirée, ça allait pas être joli. Ok. Donc la première chose que j'ai faite sur ce plan-là, c'est de rajouter un effet qui s'appelle CC NC, lol, pardon. Et du coup aussi, là c'est ton rush sortie de caméra. On voit aussi Ça, que c'est t'as le pas rush encore sortie de fait caméra, effectivement. Il n'y a pas d'étalon, il n'y a rien la du couleur. tout. Ok. Ouais. C'est un C'est brut. marrant de voir ça aussi, à quel point ils ont l'air fades. Tu vois, Ah alors qu'en fait oui, c'est mais après, ouais. alors le GH5 me permet de tourner, et je tourne toutes mes vidéos comme ça d'ailleurs, mais le GH5 me permet de tourner en log à 422 d'échantillonnage. Donc c'est enfin
Au-dessus, c'est du 4x4. Il n'y a que les caméras, on va dire, vraiment professionnelles ou cinéma qui peuvent le faire. Et à 400 mégabits seconde en écriture. Et c'est waouh! C'est vraiment genre, c'est un truc, je suis toujours émerveillé de la qualité des images que j'ai qui sortent de là. Donc première étape, on va effacer les fils par exemple. On va utiliser le CC Simple Wire Removal. Et en fait, cet effet, il marche de la. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. Donc on va mettre le point Ah, c'est un peu vraiment loin. fait pour les fils, quoi. Ouais, il est vraiment, vraiment fait pour les fils. Ah, c'est rigolo. On va mettre le point d'arrivée ici. Voilà. Et ensuite, on va augmenter le thickness, donc l'épaisseur, de façon à ce qu'ils comprennent qu'il faut bien, bien effacer mon fil parce que, voilà. Et ensuite, je vais venir réajuster si besoin. Donc là, le souci que j'ai, c'est que comme j'ai fait de la macro, j'ai quand même le fil qui n'a pas exactement la même taille partout, vu qu'il est un peu plus près, etc. Mais bon, rien que là, super propre. On a effacé un premier fil. Ctrl D, commande D pour ceux qui sont sur Mac, on duplique, on va faire ça avec le deuxième. Alors là, je vais changer un petit peu ma tête de lecture. Voilà. Ah, et on voit un peu aussi effectivement que quand les. Ah non, mais c'est parce qu'il bouge. J'avais oublié ça. Le plan bouge. La montre, en fait, n'est pas Oui. totalement stable. Donc effectivement, là, je vous montre juste ça, mais après, je vous montre le plan en propre. Donc voilà. Donc on fait du fil sur les trois fils d'en bas. Mais bon, moi pour le coup, en termes de temps, j'ai fait comme ça, c'était rapide quoi. Ok, donc tu l'as fait sur chaque clé du coup. Ouais, bah, Ok. alors pas sur chaque, vraiment sur toutes les. Là, c'est un plan de 14 images, Oui, donc d'accord, ok. toutes les deux images à peu près, ça Ok. suffit. Donc le. Pardon, le bitonio en Ah, haut là. on a Franck qui dit, et en traquant les points, les nuls, et envoyer à coup de lasso les points en expression. Alors, Oui, c'est ça, c'est ce que si je vous disais. arrivez Ouais. à comprendre cette phrase, voilà. Pour ceux qui comprennent, c'est effectivement ce que je disais. Mais en fait, le truc, c'est que les fils, par exemple, ils n'ont pas forcément un point qui est traquable très précisément, en fait. OK. Mais bon, je vais. Enfin, voilà. Donc, du coup, pour cette espèce de zigouigoui, là, pour le support, là. Pauline, toi qui connais Photoshop, tu Ben, moi, connais j'adore du coup. Content Aware. Contenu pris en compte, c'est la vie. Alors, j'ai fait ça. Et Ah je non, sais pas. est-ce que je l'avais fait? Je me souviens plus si je l'avais fait. Vous savez quoi? On va le tester, mais ça m'étonne que je ne l'ai pas fait comme ça. Parce que justement, le Content Aware, j'adore ce truc. Pop, 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 pop. Voilà, il est là. Remplissage après contenu. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va masquer. Hop. Ah, Notre ça peut élément. bugger entre le noir et le, enfin, la partie plus foncée et le, c'est ça. Ben, surtout quand on est sur des images qui sont en RAW, en log, etc., où le Ouais. contraste n'est pas très élevé, où, donc du coup, effectivement, il va avoir un peu plus de mal. Donc soit Content Aware, soit bah du coup tu remplis avec la couleur de fond violet. Ah, mais c'est pas si facile parce Et que puis voilà. j'ai pas Et de choisi ce l'amour. plan pour Ah oui, rien. ça change de couleur.
Parce que j'ai ça qui passe derrière. Ok. Hé Ah oui, bah moi je serais restée sur le content aware, tu vois. Eh ben écoute, on va le tester. Je me souviens plus pourquoi je l'ai pas fait, mais si le Content Tower marche là, ce que je vais vous montrer là après, ce sera vraiment du gâteau bonus, quoi. Ah voilà, alors Franck dit, ceux qui ne comprennent pas reviendront voir les sessions expression dans After Effects. Carrément. On va le masquer un petit peu et on va ouvrir notre fenêtre de suivi. Parce que donc la fenêtre de suivi, pour ceux qui la connaissent un petit peu, vous pouvez, elle se présente comme ça quand vous êtes sur un élément, sur un calque After Effects. Vous pouvez faire un tracking 3D de la caméra, stabiliser, suivre un mouvement. Donc c'est le point de tracking dont on parlait avec dont Franck parlait tout à l'heure. Voilà. Et stabiliser le mouvement à nouveau. Ah oui, non, stabiliser le mouvement, c'est traquer un point de mouvement mais qui permet de stabiliser derrière. Nous, ce qu'on va faire, c'est que si on sélectionne notre masque ici, vous voyez que notre fenêtre de suivi a changé parce qu'elle nous permet de traquer en fait le masque Ok. jusqu'à la fin. Nickel. Voilà. Si j'appuie sur U, vous voyez qu'on a toutes nos images clés là. On va juste faire les quatre premières. Ah, voilà. Bon exemple. Le truc s'est barré parce qu'il a capté que c'était pas. Voilà. On va le Alors, remettre Franck là. dit, on peut aussi faire le content aware avec des remplissages dans Photoshop et les insérer comme images de référence. Oui, on avait vu ça. Il me semble que c'était sur la première session avec Atom. Pour ceux que ça intéresse, c'était Ouais. vraiment chouette. Mais il me semble que j'avais testé un truc comme ça et je ne sais plus pourquoi, mais ça ne marchait pas du tout. Ça n'a pas du tout marché comme je le voulais en tout cas, parce qu'effectivement, Ok. le fond n'est pas complètement uni parce que c'est du métal, j'ai de la lumière qui passe, etc. Il y a eu plein de Ouais. trucs, mais on va essayer. Et généralement sur les bords là, ça peut être un peu bizarre. Hein. Ce bord-là. Ah oui, non, les bords Le là, oui. bord du bracelet, tu vois, Ouais, ça ouais, peut être ouais. bizarre. Alors, on va générer un calque de remplissage à partir de la fenêtre remplissage d'après contenu qui va donc remplir. Voilà. Ah, c'est bizarre. Ça ne Passe, marche etc. pas. Il y a eu plein de trucs. Ouais. Mais alors, bon, mais comme vous le voyez, Ah, c'est amusant, c'est drôle. ça fait des effets différents, c'est sûr. Ça fait des effets, mais on ne voulait pas ça. Eh bien, Mais en écoute, l'occurrence, ce n'est pas ok. exactement ce qu'on cherchait. Alors, on va Voilà. supprimer ça. Donc, du coup. On va revenir à notre phrase initiale. Donc, Pauline, toi qui connais bien Photoshop, sans parler du Content Aware, Pardon. est-ce que tu connais sûrement l'outil tampon Oui, et oui, oui. clonage, etc. Oui. Eh ben, on a le même dans After. Ok. Et en Je crois fait, c'est que cet je outil-là savais que j'ai même pas. utilisé pour pouvoir recréer le fond derrière. Donc l'outil tampon, il est juste ici, l'outil cloner. Donc c'est CTRL plus B. Si c'est le même raccourci sur Mac, ça va être commande B. Et en fait, je vais venir dans le calque. Et donc sur la droite, vous voyez que j'ai l'outil pinceau, enfin les fenêtres pinceau et peinture qui se sont ouvertes. On va grossir juste un peu le truc. Voilà. Et je vais venir appuyer sur Alt pour sélectionner la source du clonage et venir. Alors attendez, on va vraiment le grossir parce qu'il est en 4K. Voilà. Et je vais venir cloner vraiment les bords. Et un truc qui est important dans cette vidéo, en fait, c'est de cloner vraiment sur la ligne parce que comme Pour mon. garder le dégradé. Ouais, et surtout que ma lumière, en fait, descend verticalement Ok. en ligne en fait. Donc si je viens cloner ça et que je le mets ici, vous allez voir ce que ça va provoquer. Voilà, j'ai D'accord. le haut en Parce que du fait. coup, ça clone la vidéo, genre ça s'anime Ça après. clone la vidéo Ah, mais exactement c'est magique. comme la photo. Et en Ok. fait, le truc c'est que tu vois, j'ai un clonage source qui est ici pour ça. Donc du coup, en fait, il va Voilà, me si tu cloner. descends, ça va descendre. Ouais. Ok. Voilà, donc ça va descendre, mais en fait, du coup, la lumière, elle n'est pas là, elle est là, en fait. Donc, du coup, Ouais. c'est pour ça que c'est important de bien le mettre au bon endroit, en fait. Ok.
Donc on va continuer, on va refaire un petit peu là. Hop, 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 hop. On va faire. Vraiment, je le fais grosso modo. J'ai passé beaucoup plus de temps quand j'avais fait la vidéo originale, mais hop, hop, voilà. On a essayé de recréer une petite texture. Premier défaut, c'est que vous voyez, bon, c'est pas tout à fait parfait, hein, je le fais vite off. Oui, il faut mettre un petit peu plus d'amour, mais voilà. Voilà. Mais on n'a qu'une heure, donc voilà. Et le deuxième, c'est que j'ai recloné par-dessus ma montre. Mais ça, c'est pas très, très grave pour l'instant. Comment ça se présente dans votre calque dans After? Vous avez dans effet, peinture, peindre sur le transparent. Ah non, ça non, on s'en fout. Mais donc, du coup, vous avez tous les éléments de clonage. Et par exemple, tu peux venir remettre, resizer ces éléments, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, tous ces éléments-là, peut-être que tu veux qu'ils arrivent à partir de la quatrième frame. OK. Tu vois, là, à ce moment-là, on voit ce morceau-là. Si j'avance, il a disparu. OK. Voilà, ça c'est donc un à chaque fois que tu fais un clic de clone, ça te fait un nouveau. Voilà, ça me fait un nouveau sous-élément en fait dans le calque. Ouais. Qu'on peut venir ensuite masquer hein, carrément. Là par exemple, hop. Ah, c'est rigolo, du coup c'est vraiment comme du Photoshop qui bouge. Ah ouais, c'est. Trop bien. En fait, After, c'est le Photoshop de la vidéo en fait. Moi, on m'a toujours dit ça et j'ai toujours trouvé ça un petit peu plus compliqué. Mais là, comme t'expliques, du coup, c'est vrai que c'est plus clair. Donc, du coup, avec un peu de temps, d'amour et de patience. Ouais, carrément. Alors, hop, on arrive du coup à ce plan où vous voyez que ma lumière passe derrière comme il faut et on a correctement effacé notre support. Trop bien. Alors, les derniers défauts qu'on pourrait voir, c'est qu'on voit encore le plastique à l'intérieur de la montre. À l'intérieur, oui. Vous m'excuserez, je ne sais pas encore comment refaire des textures. Voilà. Hein. ici, c'est juste du wire removal. Ici, à la fin, bon, on a une séquence, une composition qui est un peu plus complexe. Mais parce que non seulement on a du masking, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc même exercice, vous voyez que du coup, alors hop, on a tout le comment ça s'appelle, le clonage qui est fait pour justement masquer tous les éléments qu'on ne veut pas voir, mais aussi j'ai rajouté des effets de glitch à la fin de la vidéo pour vraiment faire ma petite transition avec mon titre. Ah, trop cool, ouais. Voilà. Le glitch, bon, je vais pas m'éterniser dessus très longtemps. C'est un fractal. On connaît tous le comment ça s'appelle? Le tuto. Ouais, j'ai énormément de pas mal à parler en fait aujourd'hui. Le tuto de Andrew Kramer sur justement le glitch. Donc, on crée un bruit fractal à base de blocs. Vous pouvez le modifier un petit peu comme vous voulez. Et on l'utilise avec un effet dispersion. Alors, dispersion en français, displacement map en anglais, qu'on va définir sur le fractal qu'on a créé. Et si votre fractal n'est pas dans une précomposition, vous venez sélectionner effet et masque. Enfin bref, donc voilà, tout ça, voilà. Petit truc qui est sympa, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que première et after travaillent ensemble. Supposons que, par exemple, j'ai ce rush là. Finalement, je veux faire quelque chose. Non, peut-être pas celui-là. Hop, 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 hop. Allez, celui-là. J'ai envie de finalement faire quelque chose dessus, essayer de cleaner un petit peu les rayures, etc. Je peux venir faire CTRL-C dans première, venir dans okay. After. Et faire CTRL V dans une composition, pardon. Donc, si je viens dans ma composition ici et que je fais CTRL V, ah, j'ai mon élément de première qui est revenu ici. C'est trop marrant. Il y a Pierre qui dit toujours tellement mignon les moments apprentissage de Pauline. Oui,
Il y a tellement de choses à savoir, je trouve ça fou. Là, c'est le moment où Franck me regarde avec un regard de dépit. Je le vois bien. Mais c'est trop bien, merci de nous apprendre des trucs, tu vois. Moi, je faisais tout le temps le contrôle-C, contrôle-V de Photoshop à InDesign et tout, mais Ben, en fait, il marche aussi j'aurais entre pas le premier pensé, et en l'after. fait, Il marche le partout. premier after. Je me demande. Ah non, tu peux pas faire ça. Il y a des limites. Et un truc que j'ai découvert la semaine dernière, c'est. Alors, vous savez, quand vous voulez importer une composition liée depuis After Effects, vous faites importer. On va aller chercher le projet After. On attend que le Dynamic Link se connecte. Composition. Et on vient sélectionner la comp. Voilà. Maintenant, elle est là. Et bien, en fait, vous avez un truc encore plus simple. Et même, vous pouvez faire ça par lot, du coup. Mais on va sélectionner nos six compositions ici. On va juste les glisser dans Premiere. Les jeter dedans. Ok. Et toutes les compositions sont. En fait, enfin. En un coup, tu as tes six compositions et tu n'as pas besoin de faire une manip d'import six fois. Voilà. Et du coup, attends, si tu bidouilles des trucs dans After, est-ce que ça se met à jour tout seul Oui. dans... Ok. Alors, c'est tout l'intérêt justement d'une composition liée entre Premiere et After. C'est que si tu mets quelque chose à... si tu changes quelque chose dans ta composition After, ça va se mettre directement à jour dans ta composition Premiere. Ok, trop De bien. la même façon que quand on travaille sur After Effects avec un PSD. Qui vient de Photoshop. Oui, si on bidouille un Un truc dans calque est mis à jour Photoshop. dans le PSD, il va se mettre à jour du coup dans After derrière. Voilà. Donc quelques petits trucs entre Première et After. Du coup, par exemple, est-ce que tu fais tout ton montage déjà dans Premiere et après tu vas faire enlever les fils et tout dans After. Comme ça, Oui. tu La n'as pas première chose besoin que je de... fais toujours, c'est vraiment d'avoir le montage. Ouais. Le montage, c'est la première chose. Enfin, les effets, ça vient augmenter ou améliorer quelque chose. Mais si le montage n'est pas bon à la base, enfin, les effets, ils vont rien rajouter, en fait. Oui, Donc, pour oui. moi, le montage, c'est vraiment. Enfin, et puis, bon, moi qui suis monteur aussi de métier, c'est assez important pour moi de créer un vrai montage avant de commencer les effets. Ensuite, l'avantage, c'est que quand on sait faire un peu des effets, etc., on se dit, je peux laisser ce plan plus longtemps parce que je sais quel genre d'effet je vais faire. Par exemple, tu vois le plan de fin ici, je sais que je l'ai laissé plus longtemps parce que je sais que j'ai toute une transition comme ça. Avec D'accord. le glitch qui va venir tout rythmer et tout dynamiser. OK. Et après, ce que je fais, donc là par exemple, on ne le voit pas, je vais juste vous le montrer. Mais par exemple, hop là. Mais ça, si il y a des gens qui travaillent déjà entre Premiere et After, vous connaissez déjà un peu. Mais bon, donc du coup, clic droit, remplacer par une composition After Effects. Et donc, du coup, Premiere va créer directement une composition dans After à la durée de l'élément avec le plan, etc. Ok. Et on en parlait aussi avant le live, tu disais que tu avais fait, pour ceux qui seraient intéressés pour revoir un peu les bases de Premiere et tout, genre moi, voilà, que tu avais une chaîne YouTube où du coup tu avais expliqué les... Exactement. J'ai ma petite chaîne YouTube qui a mon nom, du coup, Nicolas Vernage. Si vous voulez la chercher, je peux vous montrer celle-là. Hop là. Sur laquelle je parle essentiellement de post-production, de vidéos, etc. Et j'ai notamment cette série, donc les premières Pro Basics, où l'intérêt, en fait, alors l'idée que j'avais quand j'ai commencé cette série-là, c'était de faire différemment que tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Où les bases de Premiere Pro en 20 minutes, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Tu vois pas toutes les bases parce que souvent, ils montrent les choses très rapidement, etc. Et à l'inverse, il y a les vidéos qui montrent les choses complètes, mais ça dure 1h20. Ok, ouais. Et ce qui était chiant et ce que j'entendais souvent de la part de mes potes, c'est, putain, ouais, mais ça me saoule de devoir regarder 40 minutes de vidéo pour un truc que je sais déjà et pour être intéressé par 2 minutes dans la vidéo, etc. Donc en fait, j'ai fait cette série-là en épisodes parce que personne n'a le même niveau de toute façon dans la première. Il y a des gens qui l'ouvrent pour la première fois,
comme toi, par exemple. Non, tu n'ouvres pas Ouais, la je première l'ai fois, déjà quand un même. peu ouvert, mais Ouais. Bon, mais en tout cas, voilà, par exemple, si jamais tu as pas encore, enfin, pas encore, si tu as encore un peu de mal à comprendre comment l'interface fonctionne dans Première, etc., tu peux commencer avec l'épisode 1. Si par contre, tu connais déjà un petit peu l'interface, le panneau de projet, comment faire un peu de montage, etc., et que ce qui t'intéresse, en fait, c'est de vraiment commencer à savoir comment faire du texte, bah, tu vas directement à l'épisode 5 et créer, gérer du texte, etc. Donc voilà, je montre un petit peu tous les aspects basiques de Première. Donc effectivement l'interface, le panneau de projet, donc pour organiser toute sa post-prod là-dessus. Timeline et outils de montage, donc comment vraiment, enfin on rentre vraiment dans le propre du montage même. Les effets et les options d'effets, donc comment en ajouter, comment les gérer, créer et gérer du texte, comme je disais, l'étalonnage, l'audio et comment exporter. trop bien. Voilà. En parlant d'étalonnage, je peux vous remontrer effectivement des morceaux là de. Hop. Là, par exemple, ça, c'est. Ah, j'ai une question de Fifi Lamor qui demande, est-ce que les bibliothèques CC marchent entre Premiere et After Effects? Oui, bien sûr. Les bibliothèques, je peux te les montrer là même. Et c'est même génial parce que quelque chose que je vais designer ou que je vais vectoriser dans Illustrator, je peux l'importer directement dans After. Et ah bah tiens, je vais vous montrer là en fait. Franchement, ça c'est un truc, c'est quelque chose qui me sauve la vie sur une base régulière. Alors, nouvelle composition 1920 par 1080, bibliothèque. On va Et aller on dans a pas eu, on a eu pas mal de réflexions qui disaient c'est marrant, t'es le seul à avoir l'After Effects en français. Toi, Ah t'as pas bon? de problème. Bah, c'est vrai qu'After, comme il y a souvent les tutos, sont beaucoup en anglais. Mais je vais changer ça, tiens. Ça suffit Voilà. Et l'anglais. ben, écoute, parfait. Je pense qu'il y a plein de gens qui seront contents dans le chat parce qu'ils étaient là. Moi aussi, mon After, il est en français, je me sens seule. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est que justement, je voulais pas installer le After en anglais alors que tout le reste allait être en français parce que, mine de rien, en termes de codage, notamment moi qui utilise pas mal les expressions dans After Effects, Ok. c'est quelque chose qui est source de bugs. Par exemple, Ouais. quand j'ai récupéré un projet que j'avais fait sur une de mes toutes premières versions d'After Effects qui était craquée, mais qui était du coup en Incroyable. anglais, et que je l'ai récupéré sur une version officielle, mais que j'avais installée en français, aucune expression ne marchait parce que toutes les expressions étaient rédigées en anglais avec les effets en anglais, etc. Les seules expressions qu'on a, les seules expressions, les seuls effets qui sont en anglais en fait dans la version française de After, c'est les effets CC. Parce que c'est des Okay. effets qui ont été rachetés, il me semble. Donc, du coup, c'est les noms originaux, en fait. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, Illustrator. Donc, Vous avez voici, par bibliothèque. exemple, le logo de mon entreprise, de mon agence. Il est où le aligné? On va le mettre au milieu. On va le réduire un petit peu. Et je l'ai importé depuis. Alors, c'est quoi? On va recommencer. Je suis dans une bibliothèque Creative Cloud. Et je vais importer donc le logo de mon agence. On va venir le centrer, on va le réduire. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le logo, il est vu comme un fichier Illustrator. Donc à partir de là, je peux travailler dessus comme sur n'importe quel fichier Illustrator, à savoir, je peux faire un clic droit et créer ou une composition de calque, ce qui n'a pas grand intérêt en fait. Pardon. Mais on peut le faire. Je l'utilisais jamais en fait. Je me suis dit c'est le moment de tester ou créer des formes à partir du calque vectoriel. Et en fait, ça transforme votre calque Illustrator en calque de forme que vous pouvez désormais animer en fait. OK. Et donc là, par exemple, je peux faire animer ça en zigzag. D'accord. Je peux faire Je peux décaler les tracés. Bon, il y a plein, enfin, tout ce qu'on peut Ouais, faire sur les on peut calques tout bidouiller, de quoi. forme. Trop bien. D'ailleurs, en parlant des calques de forme, il y a une nouveauté dans After sur les calques de forme qu'il faut absolument que je vous montre. Je sais qu'on est presque temps Écoute, dépassé. ce sera le mot de la fin. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Mais vraiment, c'est génial. Ce truc-là est génial. J'ai récemment fait
un générique en motion design pour un documentaire sur les champignons. Le sujet est original, mais c'était assez marrant parce que du coup, le générique m'a permis de faire pas mal de choses assez marrantes, notamment toute une animation en fait où la oula pardon alors ça va pas du tout. On va remettre tout ça histoire de vous montrer ce que ça donne à la fin. Hop. Mais en gros, j'avais fait toute une animation avec des arbres, des racines, des champignons, et en fait on voyait les racines évoluer. Et en fait, toutes les racines que vous voyez là, ce sont des calques de forme. Ok. Donc voilà, là j'ai préparé ce petit truc sur le côté. Et hop là. Donc ça, par exemple, c'est un des calques de forme de racines que j'ai fait. Je peux vous le montrer un petit peu plus. Et on voit. C'est cool ça. Franchement, et c'est pas si compliqué que ça à faire. Et quand je l'ai fait, je me dis, mais c'est génial, je vais faire ça partout. Parce que moi, tu vois, ça me donne trop d'idées, ça, c'est trop bien. Je n'ai que deux points clés là-dessus. Et en fait, donc on va commencer. Hop là. Donc, la première chose, c'est déjà de créer toutes tes formes. Donc, pareil. Donc, tu viens, tu prends ta forme, tu la déplaces. Hop là. Tu recliques sur ton calque. Tu viens refaire une autre forme. Et ainsi de suite. Je vais annuler ces deux-là parce qu'elles ne sont pas très jolies. Et ensuite. On va créer donc du coup un contour dans ces formes là. Un truc que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe vide dans lequel je vais mettre tout ça. Hop, comme ça j'ai toutes mes formes, tous mes tracés qui sont là dedans. On va renommer ça tracé. Dans toutes ces formes, tous ces tracés, etc., on va bien faire attention que le fond et le contour sont désactivés. Et on va revenir ici, hop, on va supprimer ça, supprimer ça. Et on va supprimer ça aussi, tiens. Allez, hop. Donc, on va ajouter un contour. Hop. Et ce contour, on va le mettre un peu plus gros. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais, ça ressemble un peu à des racines. Ouais. Presque. Si vous connaissez déjà les calques de forme, vous connaissiez déjà sûrement les tirets. Donc là, on est sur des racines à la façon Tim Burton. Ah ouais. Donc, alors après les tirets, on peut rajouter plein de paramètres, changer l'épaisseur du tiret, la distance entre chacun, etc. Le décalage. Ça permet pas mal de choses aussi en animation qui sont assez intéressantes. Mais les nouveautés, en fait, dans les calques de forme, c'est le biseau. C'est celle que je préfère le plus. À savoir, donc du coup, en fait, ça va me permettre de... Alors, c'est dans l'autre sens. Donc, longueur de début, ça va être le début de la forme. Donc, moi, toutes mes formes commencent d'ici. Et longueur de fin, ça va être la fin. Donc, tous les points qu'on voit ici. Donc, longueur de fin, hop là. Et vous voyez qu'en fait, ça va venir affiner, en fait, la forme et donner un côté déjà beaucoup plus organique à mes racines. Ouais, carrément. Déjà, c'est quand même pas mal. Ça ressemble déjà plus à des racines. Ouais. Il y a d'autres types de... Alors, on peut ensuite booster la largeur du début et la largeur de fin de façon à personnaliser encore plus en fait la façon dont il s'affine en fait. Donc ça c'est le biseau, et ensuite il y a un autre élément qui est le wave, qui en fait te permet de donner cette espèce de côté un petit côté irrégulier, ok. Voilà, sur les racines. Ça fait plus guirlande de confetti, tu vois. Ouais, mais après faut. C'est un style. Faire ça bien, ouais. Alors ensuite, moi ce que je vous invite à faire, c'est aussi vraiment de tester ce genre de truc là. Parce que voilà, là par exemple, si j'augmente la longueur d'onde, les variations sont plus grandes. Ouais. Si on fait ainsi. Enfin bon, voilà. Reinit, le wave, voilà. Pour l'instant, on est pas mal.
Eh bah écoute, est-ce qu'on ne terminerait pas là-dessus? Voilà. Allez, bon, allez, on termine là-dessus parce Bah, qu'effectivement, il y a encore après, plein de. on va se faire couper. Si, ouais, sinon, moi, je peux parler pendant des heures. Mais effectivement, il y a encore plein d'effets. Les calques de forme dans After, c'est quelque chose qui est très, très puissant et qu'on sous-estime un peu trop, je trouve. Eh ben, faudrait faire une session. Est-ce qu'on l'ajoute pas à la liste, faire une session Ah, bah calque de oui. forme dans After? On refait ça quand tu veux. Carrément. Eh ben, franchement, moi j'ai appris plein de trucs. Franck dit reviens jeudi pour la journée motion. Donc Allez, voilà, non on mais a. Donc je te prends au mot, Franck, hein. Je reviens. Hein. jeudi, on a la journée motion design. Donc je serai avec Atom. Je lui poserai plein de questions de débutante et répondrai avec plein de patience. Donc n'hésitez pas à venir. Et ben, écoutez, là, restez dans le coin. Il y a le temps de prendre un petit goûter. Et après, vous avez Franck avec JC Pierry à 16h. Donc la journée n'est pas finie. Si vous voulez continuer à apprendre plein de choses. Et ben Nicolas, je te remercie, c'était chouette. Eh ben merci à toi, Pauline. On a appris plein de trucs. Merci à tous les gens dans le chat. Voilà, Franck nous partage. On a le planning de la semaine qui est encore bien chargé. Demain, ça va être de la photographie. Voilà, donc là, vous avez 16h encore. Et demain, c'est la journée photo. Donc on vous partage ça. Voilà, jeudi motion. Et vendredi, il me semble que c'est illustration. Donc ça va être trop bien. On va Bon, c'est encore. top. Je vais regarder l'illustration avec grande attention parce qu'il faut vraiment que je m'améliore un peu dans Illustrator. Ah, je crois que là, on va avoir des belles sessions sur Fresco avec les nouveautés. Il y a Illustrator Ah, qui est sorti yes. sur iPad. Donc ça va être Ouais. chouette. Mais j'ai Ouais. pas d'iPad, alors ça règle la question, mais. Ah, mais en fait, ça donne envie d'en avoir un, hein, moi je dis. Ah ouais? Ouais, franchement, carrément. Bah, tu vois, tu fais les petites racines sur Illustrator directement en stylet. Tu les emportes dans Ouais. After. Et ça y Ah est, bah c'est plié. oui, carrément. Mais alors mon associé a une marque de t-shirt et il fait tout sur entre Fresco, Illustrator et justement sur tablette, iPad, etc. Ouais. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. Et bien voilà. Merci à tous. Je vous envoie des bisous. Et puis, on se voit bientôt. À très Merci. vite. Merci, Nicolas.